Bien, salut tout le monde, c'est KiraGamer95. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle nous allons faire ensemble, j'ai bien dit ensemble, jusqu'au bout, le défi du mode créatif de cette semaine. Donc vous voyez le lobby, on est dans un grand bâtiment militaire, dans une sorte de bunker, on va dire. Avec l'ours rose géant de la saison 9. Donc le robot géant qui s'est battu contre le monstre pour ceux qui ne le savent pas encore. Alors, pour commencer, on arrive juste en face de l'île qui est juste là. Oups, si je fais une fausse manip, c'est pas grave. Bon, un petit peu de musique, c'était toujours sympa. Bon, passons. En face de vous, il y a votre île. Donc pour commencer, nous allons commencer par derrière à nous. Juste à côté des matchmaking à gauche. On va activer ça. What happened here? Que s'est-il passé ici? On active. Et on va voir. Alors c'est parti. Alors. Faites pause pour lire. Hein. Je sais pas si vous comprenez l'anglais, mais moi je comprends pas. Donc vous voyez la somme à. Ici présente, c'est la somme qu'ils vont devoir payer pour faire des réparations sur l'ensemble des objets ici. Donc ouais, comme vous pouvez constater, il y a trois chiffres qui se sont rajoutés à la fin, donc c'est monté en milliards. Ça explose de partout. Waouh, ça explose de partout. Donc vous voyez, il y a un premier chiffre qui est apparu sur la bulle. Et ce chiffre, c'est le 8. Donc on va tout de suite le taper sur le pupitre, qui est juste ici, à côté de cette porte. Donc les matchmaking, c'est là. On était juste ici pour le premier chiffre du code. Et cette espèce, juste sur ce pupitre. Donc on y va tout de suite. Et ne vous trompez pas, c'est celui qui est tout à gauche, le first number. Le premier chiffre, c'est le 8. Ensuite, une fois ceci fait, on va aller voir le robot géant qui souhaite nous demander quelque chose. Vous voyez, il y a un point d'exclamation, on va lui demander ce qu'il veut. Alors, collecter 90 métal un peu partout sur la zone pour pouvoir réparer le robot. Donc il y en a un ici. En fait, il suffit de trouver 90 métal, ils sont un peu partout. Mais là, je vois qu'ils sont tous au même endroit à chaque fois. Donc vous en avez un dans le coin là, un dans le coin ici, et ils sont en par 10. Un vers la première bulle qu'on a vue tout à l'heure. Ah bah il y en a un là aussi vers le trampoline. Bon, il sert pas à grand chose à part s'amuser à sauter partout. Donc, ils sont un peu partout en fait. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi pour aller les pièces de métal. Il y en a un peu partout. Il y en a même plus que 90 à récupérer là-dedans. Mais ils sont un petit peu partout. Donc, c'est vous qui voyez où vous souhaitez les récupérer. Là, je suis déjà à 81 unités. Et voilà les derniers. Maintenant, on va voir le robot. On va voir le robot géant. Parce que c'est la nouvelle étape à suivre pour réaliser le défi. Une fois les 90 métal récupérés, on va discuter avec le robot. Une nouvelle fois. Voilà. Wow, it's been a long time. Du coup, le deuxième numéro du code va s'afficher à l'écran et c'est le numéro 6. Vous voyez, même sur la bulle, c'est indiqué numéro 6. Ok, c'est détruit. Au revoir. Donc du coup, on va retourner vers le premier pupitre. Comme tout à l'heure, là on a tapé numéro 6, et là on va sur celui du milieu, second number,
Et on tape le numéro 6. Voilà, ensuite, vous voyez les petits hangars juste ici, là, avec une tête d'ours polaire, là? Eh bien, on va aller juste en dessous. Enfin, pas dedans non plus. Mais on va aller par là, il y a un buisson à côté. On va traverser, il y a un petit ours qui est un peu tout seul. Could you help me out real quick? C'est ce qu'il nous dit. Bon, si ça fait bien. Mais bon, après avoir accepté, il faut trouver ces petits compagnons ours qui sont juste ici. Et après, on va retourner le voir. Et il nous donne le numéro qui manque pour le code. Et il s'agit du numéro 1. Bon, moi, ça a bugué. Je peux pas faire cet objectif de défi avec vous. Mais vous pourrez certainement le faire. Et on tape le numéro 1 ici. Et on confirme. Et on ouvre la porte. D'accord, c'est beau, ça avait commencé à se refermer. Donc voilà. Welcome to the world. Donc du coup, c'est terminé. On peut récupérer ceci juste là. Un petit jetpack. Et maintenant, on peut se promener. Youpi! Hop, on va prendre cette petite faille et on rate l'atterri là. Donc voilà. Eh bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à partager avec vos amis pour les aider. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un maximum de pouces bleus sur l'ensemble de mes vidéos si vous le souhaitez. Et bien sûr, n'oubliez pas la petite cloche des notifications. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux lives. Allez, salut tout le monde!